préparation du plâtre. C'est notre magnifique piège. Ce trou-là. Coupé. La pose du plâtre est effectuée. Le bout de bois pour le retenir. Plus qu'à mettre la ruchette. Et voilà notre installation. Avec le petit cône. The Bay. Qui vont sortir par ce petit trou. Ils vont sortir par là, mais ils vont pas pouvoir rentrer. Un petit peu de charme abeille. Je suis là. C'est pour prendre le cadre de Couvain là. Et c'est l'enfer partout. Il va la prendre celle-là. Celle-là? Oui, il va la prendre celle-là. Oh, tout le couvain! Non mais papa, tu peux pas prendre tout ça? Oui, mais après j'ai peur que ce soit pas des... Mais ça, c'est pas des jeunes larves, hein? Là, c'est parti. Oui, oui, je verrai. Je vais dans la voiture. Ça fait des petits points blancs au fond. Ah, en haut de la grande nappe, là. En haut par rapport à toi. Ouais. En haut par rapport à moi. Montre avec ton doigt. Là? Ouais, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, top là, 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 là dedans, regarde. Oh là ouais. Allez hop. Oh, oh, oh. C'est pas possible. Bon bah c'était tout pour ce petit film, on a récupéré le cadre avec le couvain frais qu'on ne va pas voir, hein, parce que c'est même moi j'arrive pas à le voir, donc... Ça va bien. Voilà, nous voilà chez le monsieur et la madame, pour le piège à ruche qui a plutôt bien fonctionné. Hein. Et là, le couvain frais qu'on a récupéré juste plus tôt dans la vidéo. Oh, pas mal. Tu crois qu'il y en a plein dans la ruchette? Bah, je les vois sur le plateau, il y en a plein. Ah ouais? Regarde toi qui viennent de plus. Les trucs qui brillent là. Ah, c'est du miel qui n'a pas été fermé. Donc là il y en a beaucoup, hein. C'est des belles petites abeilles. Hein. Ah oui, on voit bien les petits points. On voit bien les tout petits points. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Il y a du monde là. Une qui est en train de mettre. Attention au-dessus de ta tête là, papa, il y a le cadre. Bah ouais. Là, on voit bien une en train de mettre, j'essaie de zoomer. Non, pas tellement. Pas tellement, hein. Bon, on va maintenant. Bah regarde. Oh, mais c'est en train. Non, non, ne les écoute pas trop. Là, je vais te passer la hausse. Parce que là, c'est commence à être pas mal d'abeilles. C'est noir d'abeilles. Donc, je vais te passer la hausse tout doucement. Pour essayer de pas les faire envoler. Ouais. Tu es capable de le... Donc, je la mets bien au milieu. Hein. Ah oui, oui, tu la mets au milieu. Ouais, c'est un petit peu de monde quand même. Mais bon, c'est l'attire-abeille qui les attire. Oui. Tu veux pas laisser un peu plus pour que... Non. Regarde derrière. Je vais voir. Ouais, bah oui, j'ai vu, ouais. Je peux prendre les deux côtés là? Allez. Je tiens un côté. Là c'est bon, il n'y a pas d'abeilles? Non, non, c'est bon, vas-y. Attention, je lâche. Vas-y doucement, doucement, doucement. Pas de geste de vue, faut pas que tu cognes. Faut qu'il reste dessus.
un petit souvenir. Vas-y doucement. Hein. Parce que là, je suis bloqué au niveau des doigts. Non, non, t'en poses un. En le passant sur le côté. Ah, c'est bon. Et quand t'as posé après, tu fais pareil avec l'autre et tu laisses tout doucement. Et après, tu mets vite le toi. Vite avant que tu... Là devant c'est bon pour moi. Ouais bah c'est bon aussi. Dans le milieu de la ruchette avec des cadres de cire non construits de chaque côté. Et là il en reste encore. Là on a rebouché ce trou là sur lequel elle rentrait. Voilà elle cherche. Hein. Encore. Il y a forcément une entrée, c'est pas possible. Non, non. Ça veut dire que celle-là, elle serait pas sortie depuis tout ce matin et depuis oui. Tout ce tantôt. Ben oui, parce que le problème, c'est que il y en a plein qui re-rentrent pas. Donc il donc y en a qui doivent être à des tâches à l'intérieur. Et je pense qu'au bout d'un moment, comme elle ne voit pas revenir de butineuse, elles sortent. Ah. Et ainsi de suite. Et c'est ça qui est long. D'accord. Surtout s'il y a un trou, c'est encore plus long. Regarde comme elles sont jaunes.